Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur Tomb Raider pour l'épisode, j'ai totalement oublié le nom. Du coup, là, dans le dernier épisode, on était dans le niveau là-bas, là. C'était l'enfer, il y avait des jumps partout et des ennemis partout. Ça m'a saoulé. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera moins dur, mais je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Ok, donc déjà, je peux aller dans l'eau. Je sais pas pourquoi, j'espère qu'il n'y a pas un alligator. Parce que dans l'épisode précédent, à chaque fois qu'il y avait de l'eau, il y avait des bestioles dedans, donc... Il y a un alligator. Il y a très clairement un alligator. Bon, j'ai perdu bêtement de la vie, mais bon, c'est pas grave. Bah, tant lui, faut le flinguer parce que si je. Il me bouffe, en fait, je vais. Enfin, voilà. Bon, attends, il va revenir. Tu peux revenir, s'il te plaît? Vas-y, il m'oblige à revenir. Non, je pense que je l'ai attiré. Là, je suis resté un peu dans l'eau. Je veux qu'il vienne par là, que je le flingue. Là, parce que là-bas, sous l'eau, je peux pas tirer, en fait. Ça y est, je l'ai flingué. Il flotte à la surface. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas un autre. Hein, parce que là... Ok, c'est bon. Est-ce que sous l'eau, il n'y a pas un passage secret, un item? Ok, non, il n'y a rien visiblement. Ok, bon, alors on va rester en haut. Sinon, je sens que je vais me faire buter. Oh, il y a un truc là-bas. Oh là, il y a des lions. Oh là, il y a des lions. Saute à l'eau. Saute à l'eau! Putain, mais... Attends. J'ai encore un million de mobs. J'ai trop le seum. Il y a encore un niveau avec 150 000 mobs et je vais pas arrêter de crever, ça va vite me faire chier. Bon alors attends, est-ce qu'il y a un endroit où je peux m'accrocher en fait sans mourir? Parce que là, ça va être difficile là. Je l'ai crevé, hein. C'est bon, il est mort. Mais j'ai pas compris parce qu'en fait, il s'est mis devant et il a pas avancé, en fait. Il s'est laissé tuer. Bon, tant mieux, tu me diras, moi ça me fait du bien, hein. Je vais pas, voilà. Alors, je pense qu'on peut s'amuser à monter sur les rebords du bâtiment par là. Attends, est-ce qu'il y a un truc derrière, genre? Voilà, oui, il y a un truc, oui. Mais saute, Lara! Je suis en train de me faire bouffer par un lion. Ils me siphonnent tous mes barres de vie, c'est incroyable. Je vais arriver à un niveau dans le jeu où je vais vraiment pas avoir de vie, en fait, et je vais être vraiment dans la merde, parce que quand il y aura des boss ou des trucs vraiment dangereux, j'aurai plus de vie. Non, mais là, j'ai utilisé 2 méga potions, hein, enfin 2 méga soins, alors que je viens de démarrer le level, quoi. Bon, du coup, je disais, je pense qu'il y a moyen d'arriver sur le rebord du truc. Mais je sais pas trop, parce qu'en fait, soit on va derrière le bâtiment, soit je vais dans le bâtiment, soit j'essaye d'escalader là-bas, là. Parce que là-bas, on dirait qu'on peut monter. Non, il y a très clairement, il y a un passage, frère. Je viens de le voir. Je pense que c'est peut-être un secret. Là-bas, il y a un trou. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas comment faire pour monter. Oh tiens, je descends pas ici. Ah, il y a un secret, ouais, je viens de voir là-bas. Alors attends. Je pense que c'est faisable. Mais complexe. Ah, attends, j'ai vu qu'il y a une autre trousse sur le dessus du toit là-bas, regarde. Là-bas, j'ai vu une... Alors là, je crois qu'on la voit pas, mais si je saute... Tu vois... Ah non, on la voit pas. Si, on l'a vu clignoter, il y a un truc là-bas aussi, là. Il faut que je trouve le moyen de monter sur le rebord. Bon, je ferai ça plus tard, parce que là, en fait, je vois pas trop comment y aller. Je pense que le passage, il doit se trouver derrière le bâtiment. Bon, attends, je vais commencer par rentrer déjà, pour voir ce qui s'y cache. Ah, merde, il y a 50 chemins. Ah non, ça sent le labyrinthe, ça. Ça sent le niveau type labyrinthe. Il y a 2 chemins, droite et gauche, je sais pas trop où aller.
Mon joystick non plus. Allez, j'en étais sûr. Ben, je suis mort. Non, mais ce niveau, il va être chiant parce qu'il y a 1 milliard de mobs, quoi. Ça va vraiment être horrible. Je l'ai quand même shooté. Bon, alors du coup, dans ce niveau, je vais H24 garder les flingues parce que visiblement, à chaque coin de rue, il y a un truc qui veut me tuer. Bon, tu me diras, ça, c'est le principe du jeu. Ouais, mais là, c'est vraiment... Dans ce niveau, c'est que ça, quoi. Ah, donc là c'est fermé, je peux pas y aller, donc là c'est fini. Bon, alors attends, il y a un deuxième escalier, donc je vais aller voir le second escalier. Ah ben non, en fait, c'est juste qu'il y a eu un éboulement et je peux pas y aller. Ok, donc en fait, les deux chemins là, c'est pas possible d'y aller. D'accord, donc je vais être obligé de faire le tour du bâtiment, d'accord, donc on va aller derrière. Ah merde, elle a sauté, oh non c'est bon. J'ai réussi à faire joujou avec le poteau afin de le faire tourner autour et c'est passé. Je commence à être un pro là. Mais en fait, l'astuce dans ce jeu, c'est quand tu combats, il faut toujours que tu sautes partout parce que les ennemis, comme ça, ils te suivent pas en fait. Vu que la plupart en plus, c'est des animaux, ils comprennent pas tout à fait quoi. Bon, là maintenant, il faut monter. Bon, là, c'est pas trop compliqué. On voit bien qu'il y a un chemin là quand même. Ah, attends, il faut que je me décale sur le. Là, je pense que je peux. Comment ça, je peux pas, frère? Fais un effort. Voilà, c'est mieux déjà. Alors. Non, mais. Lara, me fais pas des trucs comme ça. Des fois, tu sais pas pourquoi, elle fait des mouvements un peu chelous, mais bon. Ok, nickel. Ok, donc là, le but, c'est de monter, s'agripper là, je pense. Mais j'ai vu que on peut faire le tour pour aller devant, pour aller chercher une trousse, là. Donc, du coup, je vais commencer par le petit passage, là. Je pense, d'ailleurs, que c'est un petit, peut-être un passage secret, non? Parce que, enfin, je sais pas. Le passage principal, je pense qu'il faut vraiment passer là où j'ai dit, là. Mais ici, je pense qu'on peut aussi y aller. Attends, on va rester contre le mur, parce que je sens que sinon, à tout moment, elle va tomber. Là, tout à l'heure, j'ai cru voir une trousse ici, là. Eh oui, j'ai pas rêvé, il y a vraiment une trousse. Voilà. J'allais dire ça rembourse celle de tout à l'heure, mais du coup, non, vu que je suis mort et que j'ai recommencé. Par contre, ouais, en face, là-bas, faut que je trouve le moyen d'y aller. Mais le problème, c'est que je sais pas comment faire, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui brille là-bas. Je sais pas si c'est des balles ou si c'est aussi une trousse de soins. Mais la question, c'est comment je vais là-bas, en fait? Parce que là, c'est loin, hein, mais vraiment loin. Je pense que c'est au niveau de cet étage-là que je peux aller sauter là-bas. Voilà, par contre, il ne faut pas tomber dans le vide. Parce qu'à mon avis, là, si je tombe, je meurs. Enfin, je meurs peut-être pas, mais en tout cas, je prends des dégâts, c'est sûr. Je prends des dégâts sûrs parce qu'en fait, je suis haut, en fait. Ouf, je suis passé, mais voilà. Ok, donc là, faut se faire chier à faire les jumps que je déteste. J'ai nommé ces putains de jumps en diagonale. Je déteste, c'est horrible. En fait, si tu veux, le problème des jumps en diagonale, c'est que... Bon, là, ça va parce qu'il est à côté, mais en fait, souvent, ça te demande une précision, vraiment. Ouais, mais là, je vois pas où je dois aller. Alors, je suis arrivé ici. Mais la question, c'est maintenant. Parce que là, je sais pas du tout où je dois aller. Je pense qu'il faut que je saute dans la diagonale là-bas, mais je sais pas trop comment. Ah, non. Et merde. Je suis tombé là. One eternity later. Ok, bon alors j'ai vraiment abandonné, vraiment je suis désolé, j'ai essayé, j'ai fait une trentaine de tentatives, vraiment je n'arrive pas à aller là-bas, je comprends pas comment on est censé faire. Là il y a un énorme trou. Ah oui. Il y a une trousse à récupérer, par contre il y a deux méchants là-dedans.
pense qu'en fait, on va remettre l'eau. Il doit y avoir une vanne en bas qui va permettre de mettre l'eau. Et avec cette flotte, je vais pouvoir genre remonter en face là-bas. C'est quoi? Ils sont paumés, les crocos, quand ils meurent. T'as vu quand ils sautent dans tous les sens? Ok, je suis bon. Alors, attends, ça, je vais récupérer. Du coup, je pense que ouais, c'est ce que je dis. Là, genre, je peux pas remonter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on va aller là-bas. Et là-bas, je pense qu'il y a moyen de réactiver la flotte pour remonter. Ah non, même pas, il n'y a pas de levier? Ah bon? Bon, alors, du coup, ça veut dire qu'il faut remonter. Donc, c'est pour ça que les développeurs ont dû mettre ce caillou là. Bon, du coup, en fait, je peux pas aller là. Genre, ça marche pas. Est-ce que je peux monter genre là? Non, je peux pas. Donc comment je pourrais aller en face en fait? Ah, attends une seconde. Est-ce que c'est pas ce que je crois? Ah merde. Non mais... Alors c'était absolument pas ça que je voulais faire. Hein. Je sais pas pourquoi elle a sauté sur le... Attends, je remonte, je te montre. Je crois qu'en fait, il y a une espèce de fissure dans le mur. Là, une corniche, appelle ça comme tu veux. Et je crois que le but, en fait, c'est de se démerder, je sais pas trop comment, à monter dessus. Et une fois qu'on est, en fait, sur ce rebord, on peut se hisser de l'autre côté. Je pense que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais... Ok, ouais, c'est ça. Parce que cette fonctionnalité de faire ça, là, on l'a quasiment jamais... Bah, bon, on l'a jamais utilisée. Vous m'avez vu faire une fois ou deux, parce que j'ai pas fait exprès en sautant. Mais ça, sinon, j'ai jamais vu, pour l'instant, l'utilisation de cette fonctionnalité. Attends, on peut pas monter là par hasard? Oh, si, y a un truc. Je sais pas, là je me suis dit, là il y a taille humaine, là on peut monter si on veut. Ouais, c'est un secret, ouais. Là je me suis dit, en montant la corniche, il y avait un endroit où on pouvait monter, je me suis dit, ah, ça cache un truc là. C'est dommage d'ailleurs qu'on ait pas de lampe torche dans ce jeu. Je me demande d'ailleurs, je pense que dans le 2, ils ont dû mettre une lampe torche, parce que c'est bizarre quand même qu'on explore à Tiris. Elle a pas de, enfin une exploratrice, si j'y arrivais, elle a pas de torche ou de lumière quoi. Je trouve ça bizarre parce qu'elle a le flingue, elle a tout, mais elle a pas la torche. Bon là par contre le problème ça va être pour descendre en fait. Non mais là elle se fout de ma gueule. J'ai appuyé et sur la croix et elle a refusé de s'accrocher. Non mais là par contre c'est du troll frère. Ok. D'accord. Alors on est vivant déjà. Mais là, je sens qu'il va y avoir un mob qui va venir m'agresser, là. C'est trop calme. Mais là, c'est sûr qu'il y a des mobs. Il va y avoir encore un gorille, un lion, un tigre, tout ce que tu... Enfin, non, tigre, j'en ai pas eu. J'ai eu un petit peu tous les animaux sauvages du monde, sauf le tigre. Je vais essayer de descendre en mode genre un peu rappel, parce que je sais pas pourquoi je le sens pas. Ok, ça a l'air d'aller. Je sais pas pourquoi. On peut aller là, mais il n'y a rien, c'est bizarre. Bon, ok, tant mieux. Oh là. Ah, attends, je crois savoir où on est. Je crois qu'on est de l'autre côté du temple. Oui, c'est ça. Je pense que je suis arrivé, en fait, derrière l'escalier qui avait la grille fermée, là. J'adore le bruit de la grille. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Attends, fais voir. Ouais, c'est ça, je suis arrivé de l'autre côté. Ok, bon, on peut revenir en arrière si on veut retenter le secret. Mais vraiment, le secret, j'y arrive pas. Hein. J'ai vraiment essayé une trentaine de fois. Vraiment, le jump est super dur. Et surtout, je comprends pas vraiment où on doit aller. Là, ça sent le piège. Déjà, regarde, il y a des plaques différentes sur le sol. Je sais pas pourquoi je sens que c'est un piège, ces plaques-là, là. Ah non, c'est juste pour le décor, d'accord. Mec, il fait tellement sombre. Il y a une musique et tout. S'il y a une musique, c'est qu'il y a un boss, il y a une épreuve, il y a quelque chose. Ah non, d'accord, c'est juste le brightness qui pète un câble. Ok, là-bas, il y a un singe déjà. Il
Qui c'est qui me tire dessus, MDR? Ah, mais il y a un mec, là. Alors, attends. Déjà, je vais utiliser ça. Maintenant, je vais aller... Alors, non, c'est pas là que je voulais aller. Je vais aller ici et je vais prendre ceci. Lui, on le garde exprès pour toi à chaque fois. Il s'est barré, hein, ce gros lâche. Je sais pas qui c'est, ce mec, mais il me fait chier. À chaque fois, il vient, il me tire dessus, on le bat, il se casse. Ça fait deux niveaux qu'il nous fait ça. À un moment donné, il faudrait peut-être savourer vaincu ou alors décider de faire le combat final, parce que c'est chiant. Toutes les 10 minutes, il se ramène. Bon, du coup, là, je suis un peu dans une sorte de colisée, j'ai l'impression, hein. Il y a 150 mobs là, il y a vraiment 50 000 mobs, j'ai l'impression, dedans. Je vois un gorille qui a pété un câble, mais... Il y a un lion aussi, ah ouais, il y a vraiment 30 000 mobs. Ok, j'ai eu un lion déjà. Il y a le gorille là-bas, mais j'arrive pas parce qu'en fait, il se rapproche pas. Bon, écoute, on les aura plus tard. Là, il y a une porte. Je vais aller voir ce qui se passe. Ah, mais c'est fermé. Attends, fais voir. Fais voir un petit peu. Hop. Je crois que c'est fermé, en fait. Chauve-souris. Ta gueule. Toi aussi. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un levier pour ouvrir ici. Bon, on repassera ici, alors. Là-bas, il y a encore un autre chemin. Ah, il y a la porte, elle est en hauteur. Ah ouais, la porte est en hauteur, c'est un peu bizarre, mais ok. En fait, j'ai pas le choix, je vais devoir descendre. Mais d'abord, je vais essayer de tuer tous les mobs possibles, parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de gens en bas. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que depuis le temps, les animaux, ils devraient tous être morts, en fait. Je sais pas comment ils ont fait pour vivre. Hein. J'ai envie de descendre. Mais le problème, déjà, si je descends, j'ai peur de mourir, en fait, parce que j'ai juste presque pas de vie. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que je descende? Il y a pas genre un rocher ou quelque chose qui peut me permettre de, on va dire, amortir? Parce que si je descends comme ça, même en m'accroupissant... Et merde. Au moins, c'est fait. J'ai pas fait exprès, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il va y avoir 100 000 mobs, là. Il y a le gorille qui arrive, là-bas. Le gorille, je sais pas pourquoi, il veut pas venir, hein. Bon, il va crever quand même. Il est vraiment débile, je sais. Celui-là, il était pas futé. Je crois que j'ai fini. Non, de faire le ménage. Ah oui, il y avait un caillou là pour descendre sans se péter la gueule. Bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai vu qu'il y a plein de trous dans le sol qui permettent, de descendre dans les bas-fonds, mais je sais pas trop où en fait, donc ça m'inquiète. Attends, ouais, c'est genre, mais en s'accroupissant. Enfin, en s'accrochant. Il y a des pics. Ok, faut pas y aller. J'ai vu qu'il y avait des pics là-dedans. Ça, c'est un piège à con. On va éviter d'y aller, d'accord? Là, il y a des chemins qu'on peut aller explorer au-dessus des cailloux. Et après, j'ai vu qu'il y avait une énorme fosse au milieu du Colisée. Est-ce que c'est aussi un bail avec des pics? Alors, attends, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc je vais faire ma technique de je m'accroche au cas où. On va s'accrocher. Ok, donc là c'est bon, je peux descendre. Ah, il y a un cristal de sauvegarde. Je vais pas l'utiliser maintenant. Ok, il y a une grille. Donc je pense qu'ici c'est l'objectif final. Ça doit être l'endroit final où on doit aller. Ou alors c'est la porte que j'ai vue en hauteur. Ou la porte... Enfin, il y a deux portes en haut, mais je pense qu'en haut c'est plutôt des annexes. Et je pense que la porte principale c'est cette grille.
Donc là, je pense que je vais aller là-bas parce que je pense que c'est le seul endroit que je peux aller là. Allez, j'en étais sûr qu'il y en a un qui se cachait là. Saute, Lara. Il fait super mal. Il m'a fusillé ma barre de vie. Non, mais on va jamais y arriver. Vraiment, c'est incroyable. Mais là, vraiment, on est dans la merde. Je n'ai plus de barre de vie. Je n'ai plus rien. Je vais crever. Oh merde. Oh putain de merde. Enfoiré. Mais comment je suis. J'aurais dû mourir. Hein. Là, très clairement, je pense qu'il y a eu un bug. Je pense pas que c'était censé m'en sortir. Et oui, mais le problème, c'est que je crois que j'étais pas censé être là. Du coup, en fait, là, le problème, c'est que les portes sont fermées. Et que du coup, je peux pas vraiment remonter, quoi. Attends. Attends, je veux juste voir là, mais je pense que c'est fermé aussi, non? Attends, y a un chemin. En fait, je crois que j'étais pas censé en fait aller ici, donc du coup, je suis pas sûr que je vais pas faire de sauvegarde là au cas où, parce que je sens que c'était pas une bonne idée. Ah non, d'accord. En fait, ça ramène là où j'étais censé aller à la base en fait, en montant en bas là. D'accord. En fait, non, j'ai juste esquivé en fait le jump qu'il y avait à faire là. Ok. Ben tant mieux. Tant mieux du coup. Du coup, je sais pas trop où je dois aller. C'est un peu. Je sais pas du tout où je dois aller. Alors attends. J'ai l'impression que je peux monter là-haut. Ouais, ça sert à rien de venir là. Putain, parce qu'il y a un chemin ici. Ah, attends, j'ai vu un truc là. Il y a des balles. Heureusement qu'il y a la balle rouge qui dépassait, parce que s'il y aurait eu que la boîte, je l'aurais pas vu. Attends, parce que là-bas, il y a un chemin, là. On n'est pas allé voir là-bas, je crois, en dessous, là, dans le trou. Hey, on n'est pas allé ici. J'aurais dû aller là, en fait. Ah bah oui, en fait, il fallait aller ici. Non, ah merde, il m'a flingué. Et merde, il y a aussi lui là. C'est horrible. Ce niveau, je le déteste. Sale bête. Alors là, déjà, il y a un levier. D'accord, donc ça m'ouvre cette grille. Et le levier là-bas. Qu'est-ce qu'il ouvre celui-ci? Ok, ah, il ouvre la porte qu'il y avait à côté du tas de rochers là. Ah, il y a le cristal bleu. Je crois qu'en fait ça va me ramener. Là où il y avait les pics, non? Ah non, ça m'a ramené là où il y a. Ouais. Alors attends, je vais sauvegarder en vrai pour le coup, parce que là j'avoue que ce serait une bonne idée. De toute façon, il y a une deuxième sauvegarde à côté des pics. Donc on l'utilisera plus tard. Mais ça là, je vais la prendre. Et là, je vais remonter. Le problème, c'est que j'entends 1 milliard de mobs. Oh, il y en a trois, frère. Ah, mais je peux les flinguer de là-haut. Ah, mais c'est tranquille.
Il en reste un. Il est où? Ah ouais, d'accord. Lui, il a dit j'ai la flemme. Il était resté là-bas, il attendait que je bute ses potes. Ok, bon, ça c'est fait. Donc je peux maintenant aller. Ah merde. Toi, t'es pas mort, toi. J'ai cru qu'il était mort, mais non. Ah bon, t'étais déjà mort. Alors il faisait partie des trois, là. Le quatrième qui était là-bas de cadavre, ça devrait être un de que j'ai tué tout à l'heure. Là, je sens qu'il y en a un qui a spawn. Exactement. Et j'ai de bonnes intuitions, moi, des fois ça arrive. Hein. Saute, par contre. Je vais die. Bon, j'ai retrouvé quelques-unes de mes trucs de soins, mais bon. Je vais prendre celle-là. Putain, mais... Ah, le bâtard. En fait, il m'a tapé pendant que je me soignais, ce qui fait que ça n'a pas marché. Donc, j'ai gaspillé encore un truc de plus. Je vous déteste. Vous êtes une des saletés. Bon, maintenant que je me suis fait fusiller par les bestioles... J'aurais dû descendre de l'autre côté, parce que là, c'est un milliard de mobs. Attends, arrête de tirer. Non, en fait, il n'y a personne. Ok, pour une fois qu'il n'y a personne dans ce niveau. Non, mais là, il y a forcément un mob. Je refuse de croire que c'est vraiment vide. Il y a des plaques. Je sais pas pourquoi il y a des plaques comme ça. On dirait un peu des plaques de pression, mais en fait, ben, c'est pas des plaques de pression. Ça ne sert à rien. Du coup, je sais pas trop. Ah, il y a une porte là-bas. Intéressant. Là-bas, il y a un levier, mais je sens qu'il y a des mobs. Je vais tirer. Tu vois qu'il va y avoir 15 lions qui vont sortir. Ok, je vois personne débarquer. Et là-bas, il y a quoi? Ça s'est fermé. En fait, je crois que je suis dans la merde parce que je crois que j'aurais dû rentrer dans la salle. Et là, le problème, c'est que ça s'est refermé, sauf que ben, je suis pas rentré dans la salle. Il n'y a pas une clé là posée? Non, ok. Ah, mais attends, ça s'est réouvert. Ah, mais attends, c'est à des moments aléatoires, peut-être que ça se ferme. Ça doit être ça. Ça doit être des moments random, ça se ferme. Et de temps en temps, si t'es dedans, ben, tu meurs. J'aurais dû aller de l'autre côté. Je suis con, l'autre côté, il y a le levier. Pourquoi je suis venu là? Oh, j'ai réussi à brain la porte, j'ai pas pris de dégâts. Ouais, c'est ça en fait, ça s'ouvre et ça se ferme à des moments aléatoires et je pense que ça peut agir un petit peu comme une guillotine. Mais là, j'ai eu du bol. Ah ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est pas une plaque de pression. En fait, ça a pas la gueule une plaque de pression en fait. Ouais, donc du coup, en fait, il y a un cooldown. Ok, ok, j'ai compris. Donc là, j'ai ouvert la grille qu'il y avait à côté, tout simplement. Ok, donc en fait, c'est des plaques de pression sans être des plaques de pression. Oh non. T'as entendu ce que j'ai entendu? La porte, elle s'est refermée. Oh putain, non. Oh non, j'aime pas ça. Non, ça, c'est chiant parce qu'en fait, ça veut dire tout simplement qu'il y a une histoire de cooldown. Il faut que j'ouvre là-bas, que je speedrun dans la porte avec le levier là, que j'active le levier et la plaque de pression, et après que je speedrun à côté pour passer les deux grilles. Oh non, ça va être chiant. En fait, le problème, ouais, c'est vraiment, ça va être relou comme pas possible. Ok, alors en fait, j'ai compris. Il faut pas retourner sur la plaque. Alors attends, je vais te montrer. Déjà, il faut que je sorte d'ici pour commencer. En fait, il faut que j'active la plaque du fond, que j'aille activer le levier et que de suite, je parte là-bas. Il n'y a pas besoin de réactiver la porte entre. Si tu es assez rapide, les deux restent assez longtemps ouverts pour pas que tu aies à retourner sur la plaque là-bas. Donc, ouais, là, pour le coup, j'ai regardé sur YouTube parce que vraiment, je comprenais pas. Vraiment, j'ai essayé pendant une heure d'affilée presque. Là, non, ça fait au moins 30 minutes là que j'ai tryhard. Donc là, en fait, je suis juste censé courir comme un golemon là. Donc là, il faut que j'active le levier. Et là, je suis censé me démerder, je sais pas trop comment, à sortir ici. Mais elle va se fermer avant, cette conne. Putain, j'avais presque réussi. Hein. Je suis étonné que ce soit pas fait. D'habitude, les grilles, elles se ferment plus vite. 2 hours later. Cours! Mais non, mais le problème en fait des jeux PS1, c'est que la maniabilité, elle était à chier. Et la caméra aussi, dans la plupart des jeux, c'était vraiment très très mal fait.
Oh, le miracle. Alors là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à passer. Non, là, par contre, vraiment, c'est un miracle. Bon, par contre, le problème, c'est que j'espère que cette conne, elle se réouvre derrière moi, parce que là, du coup, je peux pas sortir. Ah, d'accord. Non, mais parce que là, j'étais en train de me dire, sinon, je suis un peu dans la merde. Ouais. Eh ben, c'était un enfer. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'autres épreuves comme ça dans le niveau, parce que là, ça va vite me faire chier. Bon, deux choses. Déjà, c'était vraiment horrible. Et deuxièmement, on atterrit là où il y avait les pics de tout à l'heure, en fait. Je vais même. Ah, je me tâte à prendre la sauvegarde en vrai. Je pense que je vais essayer de buter des mobs, parce qu'à mon avis, il y a des nouveaux mobs qui ont du spawn. Mais une fois que je vais les buter, je pense que je vais prendre la sauvegarde. Attends. Je sais pas pourquoi, mais je sens que. Attends. C'est bizarre parce que. Ah, mais oui. Non. Si, si, oui, attends, non, j'ai rien dit. J'étais en train de me dire, je connais cet endroit. Mais oui, en fait, ici, on était passé tout à l'heure parce que. Ouais, ok. Non, je prends la sauvegarde maintenant. Parce qu'après, ici, en fait, on va pas y retourner, en fait. Donc, à part si je refais mon truc de tout à l'heure ou sans faire exprès, je suis tombé pile dessus. Je sais pas comment j'ai fait. Mais sinon, on va pas réussir à revenir ici. Enfin, on n'a pas besoin de revenir ici. Donc, à part si je tombe par hasard, donc du coup, la sauvegarde, en fait, je vais pas la reprendre de sitôt. Du coup, je vais la prendre maintenant parce que sinon, ça va être jamais. Oula, j'ai failli foncer dans les pics. Bon, je vais là-bas. Ok, donc ça, c'est récupéré. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que je dois aller là-bas, là, et me démerder à sauter sur le truc. Ok, donc j'ai réussi à sauter là. Ok, donc je me mets bien au bord. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça en fait qu'il fallait faire. Il y a un singe. Viens là, le gorille. Vas-y, je descends. Hein. Il est mort. C'est bon. Donc là, il y a une sauvegarde, mais j'ai pas envie de la prendre de suite. Ouais, tu vois, c'est ce que je dis. En fait, ici, c'est l'endroit VIP du Colisée. C'est un petit peu là où se mettent les chefs. Et merde, il y en a un autre. Il joue à cache-cache avec moi, en fait. Ah, il y a une clé à trouver. Il y a une serrure. Ok, bon, ça c'est fait. Il y a une sauvegarde, mais ça je pense que je la prendrai à la sauvegarde quand j'ouvrirai la porte, là, quand j'aurai trouvé la clé, parce que la clé, là, je l'ai pas. Il y a de l'eau, donc faudra plonger, d'accord. Je refuse de croire qu'il y ait personne là. Tu peux pas me dire qu'il n'y en a pas encore, hein? Ok, non, c'est bon, il y a personne. Il y a un cube à tirer, parce que là, il y a une méga porte, mais elle est fermée. Alors, les cubes, ça fait un moment que j'en ai pas tiré. Enfin, si, il y en avait un dans le dernier épisode quand même. Allez, tire. J'ai toujours pas compris comment, à quelle force elle fait. Parce qu'en plus, elle le prend même pas par les poignées, elle le prend dans la texture. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Oh là, le chemin là-bas. Oh, c'est tellement sombre. J'ai pas confiance. Ah non, attends, c'est juste un. Ah non, non, ok, c'est juste un levier. Une petite trousse de soins. J'en ai combien des trousses qu'on rigole un peu? Oh con, j'en ai que deux. Et là, j'en ai que cinq. Oh con. Oh, c'est la merde. J'en avais 10 de chaque au moins avant. Il y a deux épisodes, genre. J'en avais vraiment genre 2-10 de chaque. J'ai pas compris. Genre, j'ai ouvert la porte, elle s'est refermée instantanément. What? Je sais pas. J'ai peut-être appuyé deux fois sur la touche, du coup elle a refermé. Bon, bref, je sais pas. Donc ça a ouvert une porte, mais c'est pas celle-là, ça. Et non, ça c'est de. Ah, attends, je sais. C'est l'une des portes qui se trouve dans les gradins. Par contre, ça fait chier parce que du coup ça voudra dire qu'il faudra revenir ici.
Oh, j'espère qu'on viendra par la grande porte et qu'on va pas se faire chier à sauter ici à chaque fois parce que c'était chiant. Donc attends, celle-là c'est ouverte, mais je vais voir si ça a pas ouvert les autres portes aussi au passage. Allez, on va rentrer ici. Je sais pas pourquoi je sens que ça va se refermer derrière moi. Oh là. Il y a un... Merde. Ah, ça. Il y a un rocher là. Il y a un rocher qui va me tomber dessus. Non, c'est pas un rocher, la boule là qui est au fond du truc là-bas. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas si le rocher, genre, il va passer le trou et il va arriver là où je suis, ou est-ce qu'il va tomber dans le trou. Bon, je vais aller dans le trou, dans le doute. Putain, c'était ça, ouais. Il fallait. Oh, pour moi, c'était l'inverse à la base. Je pensais qu'il allait tomber dans le trou. En fait, non, il tombe là. Il n'y a pas un truc là où je suis, là, à mes pieds, que je ne vois pas, genre une trousse de soins ou quoi? Ok, j'ai pas l'impression. En fait, le problème, c'est que tout est noir en fait en bas là. Je sais pas pourquoi. Le sol, il a un problème de texture, je sais pas, c'est remplacé par une texture sombre. Bon, je suppose que. Putain, je vois rien du tout. Je suis où là? Ok, alors j'ai réussi parce qu'il y a eu un bug de texture que j'ai pas compris, mais j'ai réussi à avoir un morceau de Lara qui m'a aidé. Pour le coup, c'était un peu mal foutu l'histoire. Mais là, en fait, ils auraient dû faire en sorte que la caméra elle nous spotte d'en haut. Parce que sinon. Il y a un levier. Ok. Tu vas pas me dire que là c'est tranquille et qu'il n'y a personne. Hein. Attends, je vais ouvrir le levier et c'est là où il va y avoir un mob. Ok, ça a ouvert la deuxième porte des trucs qu'il y avait en haut. Là, je suis sûr à 99 000% qu'il y a des gens. Bon, du coup, je suppose que ça a ouvert une des autres salles, donc du coup, je vais aller voir. Ah, merde, il y a un lion, putain, je fonce dessus, moi je l'avais pas eu. Comment le lion est monté dans les gradins, MDR? Il y a un souci de logique là, chef. Il y a un problème dans le scénario, capitaine. Ok, est-ce que du coup il y en a pas un de l'autre côté par hasard? Ok, j'ai pas l'impression. Ils auraient pu, mais ils en ont pas mis un, étonnamment. Non, par contre, là, expliquez-moi comment le lion, genre, il est arrivé ici? Ok, la porte là-bas, je vois qu'elle est ouverte et je vais aller voir. C'est moi? Non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui me tire dessus là. Putain, mais t'es encore là? Mais c'est pas possible. Mais tu vas mourir à un moment donné. Depuis qu'on se voit, depuis 4 niveaux, je t'ai vidé 6 chargeurs, frère. Il serait temps de mourir à un moment donné. Non, mais. Mais tu n'as pas de gilet pare-balles. Tu es un mec avec un putain de suite. Comment tu ne peux pas mourir? Mais reviens! Arrête de fuir! Mais non, mais. C'est pas de l'acharnement, enfin c'est pas de la persévérance là, c'est de l'acharnement. Reviens ici. Non mais lui je vais le soulever, lui vraiment. Monte-toi là. Non mais attends, lui c'est pas possible. Tu vas arrêter de toutes les 3 minutes venir. Ok, le mec a littéralement despawn, il est passé dans le mur. Mais non mais je comprends pas qui est ce mec qui vient me casser les couilles toutes les 10 minutes dans chaque niveau depuis 2 niveaux. Le mec, il spawn, il te tire dessus, tu le bats, il se barre. Ça sent le gros combat, là. Si je pouvais les attirer hors de la salle, peut-être. Parce que là, je sens que quand je vais rentrer, ça va fermer la porte. Hein. Ah non, il y a du jump. Oh non, pas du jump. Ok, j'ai réussi le jump. Il était pas dur, hein. C'est juste moi, je sais pas pourquoi je galérais. Ok, donc là ça a ouvert cette porte, qui est toujours pas compris pourquoi est-ce qu'elle est en hauteur cette porte. Ben, du coup je vais à la porte maintenant. Ok, alors je suis venu ici, impeccable. Alors ce levier est beaucoup trop suspect. Si le sol il se barre pas ou qu'il n'y ait pas une dinguerie là, je comprends pas. Ah, il y a de l'eau à côté. Ok, donc ça va voir les grandes portes de tout à l'heure, enfin une seule. Pourquoi une et pas deux? Et là, il y a de la flotte. Ok, il y a un long couloir aussi.
J'espère qu'il y a des poches d'air, parce que sinon je vais mourir noyé, ce qui est pas très, pas top. Hop. Oh, ça c'est gentil, merci. Voilà, merci. Alors, donc là, il y a ça à tirer, donc je vais le tirer en espérant que il n'y ait pas un énorme monstre derrière ou quelconque créature. Eh, mais là, du coup, elle veut pas le. Elle ne veut pas que je le tire. Je peux peut-être le pousser alors. Non. Comment je fais là? Parce que je peux pas le tirer. Ah, alors il fallait le pousser. Ouais, ça doit être ça. Ah, du coup, là, on va le pousser. Ah, oui, c'est ça. Il faut le pousser. Je sais pas de combien de kilomètres il y a à pousser, mais ça a l'air d'être loin. Alors attends, bah ça m'a donné accès à une salle là. Ok, attends, là je pense que je peux le décaler de là. Attends. Bon, si tu veux bien te mettre en face. Voilà, merci. Donc là, du coup, je peux le tirer ici. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, du coup, je peux passer, je pense. Alors, il y a une clé. Intéressant. Ah, putain, oui, la clé. Ok, je sais où elle va. C'est la clé qu'il y avait dans la loge de César, là, en haut, là. Quand il y avait une serrure, je pense qu'elle va là. Bon, c'est pas très logique parce que la serrure, elle était blanche et que la clé est grise, mais bon, on va dire, t'inquiète, c'est normal. Bon, alors attends, parce que du coup, je sais pas trop où aller parce qu'on a ouvert une porte en bas là-bas, mais ça a également ouvert. Enfin, ça m'a donné également la clé pour descendre ici. Du coup, je sais pas trop de quel côté je dois aller en fait. À moins que c'est pas la clé qui va là, c'est possible. Peut-être que la clé, elle va pas ici, mais ailleurs. Ah, si, si, c'est celle-là. Je pense que je vais d'abord aller là où la porte s'est ouverte parce que je pense que si je vais dans l'eau, je pourrai pas revenir. Mais cette porte est bizarre parce qu'elle s'est ouverte qu'à moitié. Y a personne qui arrive. Ok. Ne te referme pas, s'il te plaît. Oh, un petit cristal. Il y a même une petite trousse en bonus. Et non, il n'y a vraiment rien de plus dans la zone. Ok. Prends-moi ça là. Donc là, je vais enregistrer. Donc ça, c'est fait. Ouais, et du coup, comme un con, j'aurais pas utilisé la sauvegarde qu'il y avait là-bas en fait. Celle-là, du coup, je l'ai pas utilisée. Bah, je vais la laisser parce que j'en ai pas besoin vu que je viens de sauvegarder déjà. Donc bon, écoute, s'il y a un problème, je reviendrai sauvegarder ici. Hein. Oh non, oh les bâtards, oh le labyrinthe sous-marin. Oh non, à ça je vais les. Oh non, ça y est déjà. Regarde, pour une obscure raison, elle s'est bloquée au plafond. Attends, je retourne prendre de l'air. Non mais bon, le labyrinthe sous l'eau, c'est horrible. Bon, on va aller tout droit. Oh non, il y a un. Oh putain, il y a encore des alligators. Ou des crocodiles. Je sais pas, d'accord. Je sais pas du tout si c'est des crocos ou des alligators. Tu peux monter? Non, mais reste pas statique. L'autre, il est en train de te niaquer le cul. Alors bouge. Alors attends, déjà, on va. Attends, est-ce qu'on pourrait pas d'abord le buter avant d'enlever l'eau? Pour moi, ce serait plus intelligent de faire ça. Loupé, je suis tombé avec lui comme un gros golemon. Ok, on va d'abord enlever l'eau en fait, j'ai rien dit. Mais monte. Bon, attends, vire-moi cette flotte là. Ah, ça n'a pas enlevé l'eau, merde. Je sais pas ce que ça a fait, mais c'était pas pour la flotte. Putain, elle veut pas le buter. Je vais essayer de run par là.
En plus, il y a aucun. Je peux pas le tuer là, vraiment. Il y a rien du tout pour prendre et le tuer parce qu'en fait, j'arrive pas à le choper d'en haut en fait. Du coup, je vais juste speedrun. Oh, c'est la fin du niveau. D'accord. Alors, j'ai récupéré qu'un sur trois secrets. Ben, le deuxième secret, je t'ai dit, c'était ce qu'il y avait au début là, les balles là. Mais j'ai pas réussi à faire le saut pour y aller. Et par contre, le dernier secret, ça, par contre, j'ai pas compris parce que ben, je l'ai pas vu. Donc. Il devait être caché à un endroit que je sais pas où. Là, j'avoue, je sais pas trop. J'ai mis. Bon, il dit 1h08, mais en réalité, j'ai mis pas loin des 2h. Hein. C'est juste que j'ai pas enregistré. Voilà. J'ai pas enregistré non-stop. Du coup, c'était le Colisée. Ouais, c'est bien ça. Bon, alors on va continuer. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En vrai, c'était pas trop dur, en vrai, comme niveau. Même s'il y avait beaucoup de combats et un peu de jump, c'était quand même moins dur que le précédent. Vraiment, le niveau précédent. C'était vraiment le pire niveau du jeu. Il n'y avait que du jump, c'était horrible. En plus, on ne savait jamais où aller. Oh, petite cinématique. La porte, elle s'ouvre exprès pour moi, merci. Alors attends, je vais quand même monter histoire d'être safe et de pas mourir noyé. Ok. Attends, je fais juste un rapide tour de la pièce au cas où s'il y a un mob qui veut me buter comme au début du niveau précédent. Enfin, pas le niveau précédent, mais celui d'avant, du coup, là, dans le dernier épisode. Non, parce que le coup des lions au départ, là, je m'y attendais pas. Hein. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Et il n'y a pas non plus de trousse de soins qui traîne. Ok, donc on a un chemin qui va là-bas. On a un chemin qui va également tout droit. Et de ce que je vois, on a un chemin en hauteur aussi. D'accord. Et j'ai même un autre chemin qui va derrière le truc là. Attends, regarde. Là, tu vois, j'en étais sûr. Tu vois, lui, si je le bute pas maintenant, il m'aurait tué au début du prochain épisode. Ah, merde. Les crocos, ils sont un peu buggés quand ils meurent. Tu vois, j'en étais sûr que j'allais me faire agla là. Voilà, au moins là, on est safe. Du moins, je crois. Bon, du coup, on a plusieurs passages. On a trois chemins en bas, plus un en hauteur. Ok. Bon, et ben, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode ici. Et voilà. Donc, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, salut à tous.